Je suis la sœur Deborah Aboussé et j'ai pour faiseur ma merveilleuse maman Rocky Abilé. Amen. Il faut dire que je veux dire merci au Seigneur, tu m'as délivré d'un envoûtement. J'ai cru ici à la CMCI il y a plus de 10 ans de cela. Mais quand on lance les moments de renversement de principauté, je raisonne en disant que vraiment pour aller jeûner, il faut que Dieu lui-même te donne la grâce. Sinon, si tu n'as pas la grâce de Dieu, il ne faut pas commencer le combat que tu ne peux pas terminer. Amen. Et c'est comme ça, autour de moi, je disais aux gens, quand je vois une petite les filles, là, j'ai jeûné 7 jours, je dis, tiens, nous on est là il y a longtemps, on n'a même pas encore fait 7, toi tu viens d'arriver là 7 jours. En tout cas, il faut demander bien à Dieu si tu as donné la capacité de le faire. Sinon, vraiment, je ne t'encourage pas dedans. Et tout le monde sait que, ça dit qu'on lance, je commence le matin jusqu'à midi, je ne tiens pas, je dois manger. Et je vais, je romps. Et je me disais que, dans tous les cas, même 40 jours là, si je vais au moins 2 fois dans la semaine, une fois, c'est pas tous les jours Dieu va bénir. D'autres vont venir, pendant les 40 jours, ils ne seront pas bénis. Et moi, peut-être, je peux venir une seule fois, ou bien ne même pas jeûner, puis Dieu va me bénir. Et je me suis assise donc, pendant des années. Et malgré ça, j'avais un magasin, je suis esthéticienne de formation. Et vraiment, mon magasin ne marche pas. Quand tu as eu pitié de moi, que tu me donnes 100 000 francs pour que j'achète les produits pour travailler, après, toi-même, tu reviens me dire, non, vraiment, 100 000, là, c'est bon, il faut prendre cadeau. Et c'est comme ça que je vivais. J'étais endettée. Et quand ils ont lancé cette année, la 11e édition, j'ai dit, cette année-là, c'est mon année. Si je dois tuer, là, je vais mourir. Mais je vais gêner pour que ma situation change. Je suis fatiguée de rester dans la situation dans laquelle je suis. Et le Seigneur a dit « Amen ». Et mon dirigeant, pasteur Roméo, a dit que si tu n'avais jamais jeûné, aie la foi et dis au Seigneur que ça va être la première, ton premier 40 jours de jeûne. Et j'ai saisi ça par la foi. Et avant, j'ai commencé avec le livre « Sois rempli du Saint-Esprit ». Je devais vider, finir avec les idoles. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur de refaire ma repentance. En tout cas, jusqu'à le début, je refais ma repentance. Et j'avais dans mon cœur le désir de refaire mon brisement des liens. Et j'ai approché notre dirigeant, pasteur Billet. Je l'ai supplié qu'il accorde que je fasse mon brisement des liens. Et que c'était déjà lundi, mercredi, on commençait la prière. Je ne pouvais pas venir à la prière étant lié. Amen. Et le Seigneur, dans son amour, a permis que mon papa accepte de faire mon brisement des liens. Et je devais faire un jeûne partiel de 3 jours. Je suis rentrée dans le jeûne. Et le mercredi, on a prié. Jusqu'à midi, on a fini mon brisement des liens. J'avais faim, je me sentais un peu faible. Et j'ai demandé à mon dirigeant, je romps ou bien je fais comme il dit, non, hein, tu vas rompre qu'on va finir à jamais. Et c'était difficile. Je suis rentrée dans la chambre. Je dis, je mange rapidement et puis je sors, je m'en vais. Personne ne saurait que j'ai mangé. Donc, je m'apprêtais pour voir comment j'allais prendre la nourriture, manger. Et j'entends une voix qui me dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Acclamant pour Jésus-Christ. Jesus Christ. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est comme ça que je me suis sentie fortifiée. Et il faut dire que j'allaite, mon bébé tête encore. Donc une femme qui allaite, qui n'est pas pu gêner quand je n'allaitais pas, et j'arrive à gêner quand j'allaite, vraiment c'est la grâce de Dieu. On est venu, on a prié, on est reparti, j'ai mangé après 22 heures. Et jusqu'au le premier jour, il y a eu certaines délivrances de guérison. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Le hier, on priait. Il y a le frère qui a rendu témoignage qu'il était endetté des millions. Et je me suis souvenu vraiment des dettes qui sont derrière moi. Et j'ai demandé au Seigneur d'avoir pitié de moi pour me délivrer. Mon mari est fatigué de payer les dettes. Et qu'il me délivre des dettes. Et c'est comme ça qu'on a pris ce moment de prière-là. Et j'ai commencé à crier à Dieu. Et ce matin, dimanche matin, ça dit vers 5 et 6 heures, je fais un songe. Dans le songe, je suis dans un endroit, un dépotoir, un endroit où on verse les ordures. Je me réveille d'un songe, je dormais. Je me réveille et je dis, mais je fais quoi ici? Mais qui m'a emmené ici? Qu'est-ce que je suis en... Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation. Le coin est sale, dans la boue, dans les ordures. Et je regarde dans ma main droite, je vois un portable. Le portable est vilain, sale. C'est vilain. Mais je dis, mais ça, ce n'est pas mon portable. Qui m'a donné portable, ça, là? Non, je suis en train de me poser des questions. Et puis, je regarde, je vois des appels qui ont été émus. Je prends le deuxième numéro, je lance. Un homme décroche. Je ne reconnais pas la voix, je raccroche. La personne me rappelle.
Tu viens de m'appeler tout à l'heure à ce numéro. Je dis oui, je suis dans la brousse, je ne sais pas où je suis, le coin est sale, vraiment, je vais sortir d'ici. Mais on a volé mon portable, le portable même qui est dans ma main, là, n'est pas mon portable. Il dit, mais si on a volé ton portable, appelle la police. Moi, tu m'appelles pourquoi? J'ai dit, c'est où je suis là, la police ne peut rien faire pour moi. Et c'est comme ça que j'ai raccroché. Maintenant, je réagis, quelque chose me dit, mais appelle le premier numéro avant le deuxième. Je lance le premier numéro. La personne prend, on dit, quand j'ai dit allô, on dit Déborah, j'ai dit oui. Il dit, enfin, tu t'es réveillée. Acclamons pour Jésus-Christ. For Jesus Christ. Enfin, tu t'es réveillée. Et je reconnaissais la voix. J'avais eu un camarade de nom de Madou. Je dis, allô, Madou. Il dit, hein, c'est ça même. Que tu me cherches pourquoi? Tu me cherches pourquoi? Tu penses que Jean, tu as réussi? Jean, tu es marié, maintenant tu as des enfants, tu vis ta vie, tu m'as laissé aux oubliettes, tu penses que c'est la vie, là, c'est comme ça on fait. Où tu es là, tu vas rester là-bas. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as emmené ici? J'étais en train de parler, et puis il a raccroché. Maintenant, je regarde là, c'est comme si il y a une planche comme ça, et en tout cas, le cours est en bas, en bas, en bas. Et la voix me dit, marche sur le petit pont là, va tout droit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher, parce que je cherchais un moyen de sortir de l'endroit où j'étais. Et je partais tout droit, j'ai croisé deux dozos qui étaient là. Quand ils m'ont vu, ils disent, ah, madame, mais c'est toi, on attendait depuis ici. Que où on t'a mis là, tu ne devais pas rester ici. Depuis, on t'attendait pour que tu sortes d'ici. Et tu es là, tu ne viens pas. Aujourd'hui, enfin, tu es venu. C'est là que j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, qu'il y a des années, on t'a emmené ici. Et puis, je vois comme dans une vision, je suis couché dans la main des deux dozos. Ils m'ont déchiré trois trous sur mon bras. Et mon sang qui sortait, là, ils ont mélangé ça à une petite boue. Et cette boue-là, j'ai dit, mais c'est pour ça qu'on dit non, que Madou qui t'a emmené ici, là, le sang qu'il a mélangé à la boue, là, il met ça sur sa bouche chaque fois qu'il a besoin de toi. Quand il t'appelle, tu viens. Il fait tout ce qu'il a envie de faire de toi. Il couche avec toi, il prend l'argent, il prend certaines choses. Et après... Et puis, c'est comme ça. Et c'est comme ça, ça a été depuis. Et j'ai dit, mais normalement, si quelqu'un couche avec moi, si je me réveille, je saurai que j'ai eu des... Il dit, non, hein. Tu ne peux pas savoir parce que tu dors. Tu es endormi. Tu ne vois rien. Tu ne sais rien. Et c'est pas fini, hein. Il a emmené une ceinture. J'ai une ceinture noire, j'ai perdu. Ça fait même pas encore 5 ans. Entends cette histoire de ma douleur, il y a longtemps. Et il me dit, il a emmené ta ceinture ici. Tiens. Ça, c'est un pantalon que tu portais. C'est lui qui a mené ça ici. Tu es ton pantalon. Et ça, là, ton portable, là, ça, là, c'est pas ton portable. C'est lui qui a mis ça dans ta main. Voici ton portable. J'ai vu un joli, joli, joli portable. C'est ça, là, qui est ton portable. Et j'ai pris le portable. Il dit, mais j'ai dit, non, non, faut quitter même. Maintenant, là, même, va tout droit, tu vas sortir. Et c'est comme ça, je marchais. Et je suis sortie de l'endroit où j'étais. Je suis rentrée dans une ville où, en tout cas, les gens vivaient dans des maisons, dans un lieu bien. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. On appelle ça le désenvoûtement. That's what we call somebody has been disenchanted. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Même sur toi-même où tu es assis là. Et quand je suis sorti de là, j'ai demandé au Seigneur pourquoi j'étais encore à cet endroit. Le Seigneur m'a dit non, tu es resté là parce que tu as eu peur de gêner. Il y a certaines principautés, c'est dans le jeûne et la prière qu'on reçoit la délivrance. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Et je veux encourager vraiment mes frères et mes sœurs de prendre cette histoire de renversement des principautés là au sérieux. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que chacun est en train de saisir la notion de l'envoûtement. I think that each one is laying hold of the notion of bewitchment. L'envoûtement est une œuvre de la sorcellerie. Bewitchment is a work of witchcraft. Des hommes méchants. Of evil men. Des hommes pervers. Of perverse men. Ils peuvent être
des individus comme ils peuvent être des groupes d'individus. They could be individuals as well as they could be groups of individuals. C'est la sorcellerie. That is witchcraft. Avec toutes ces branches, quand vous entendez magie, c'est la sorcellerie. With all the other arts as magic and other things. Ce sont les branches. Those are branches. La sorcellerie n'est pas un esprit qu'on chasse. Witchcraft is not a spirit that is cast out. C'est un corps. It is a body qui envoûte les gens. Which bewitches people. C'est-à-dire qui recrute les gens. That is, they recruit people. Qui enrôle. They enroll. Par astuce, par ruse. By tricks and by guile. L'église est un corps. The church is a body. Qui recrute aussi. Which also recruits. Qui enrôle. Which enrolls as well. Mais il n'envoûte personne. But it doesn't bewitch anyone. Quand Jésus arrive, when Jesus comes, il se tient à la porte. He stands at the door. Et il frappe. And he knocks. Si tu n'ouvres pas, il ne te touche pas. If you don't open, he doesn't touch you. Et quand tu l'acceptes, and when you accept him, il t'ajoute aux autres croyants. He adds you to the other believers. Et il a mis ses croyants dans son esprit. And he has put the believers in his spirit. Et il a mis son esprit dans chaque croyant. And he has put his spirit in each believer. Mais le diable n'est pas puissant pour faire ça. But the devil is not powerful enough to do that. Toi même si Satan vient là et dit viens, je suis ton ami, tu vas refuser. You sit there if Satan comes and says come, I'm your friend, you refuse. Donc il se cache. So he hides himself. Il vole tes choses. And he steals your things. Et il t'envoûte avec. And he bewitches you with them. Il a enseigné à ses enfants et il leur a dit pour parler comme à des hommes, pour que vous ayez l'intelligence. Il a dit, Jésus là lui, il est bon, il est beau et quand il appelle les gens, ils vont, il leur donne à manger, fait des miracles, tout le monde l'adore, il y a les musiques. So he tells people, well, moi, Jesus, je suis obligé de me cacher dans les ténèbres pour agir. So he tells people, well, Jesus is there, he's good. He calls people to them to himself and they come and he gives them to eat. But I am obliged to stay in the darkness. Ses enfants m'énervent. His children get me partout, angry. Partout. They shout everywhere. Ils organisent des grandes réunions. They organize big meetings. Ils proclament. And they proclaim. Moi, je ne peux pas. I cannot do it. Donc, cachez-vous. So hide yourselves. Donnez-moi les gens, mais en les envoûtant, c'est-à-dire en captivant leur esprit pour les garder, leurs esprits pour les garder avec vous, en cachette, ne montrez pas. But give me people that is bewitched them, that is take their spirits in hiding, bring their spirits and hide them within. Donc la sœur avait été envoûtée par quelqu'un qui avait vécu avec elle dans le péché. So her sister was bewitched by someone who had lived with her in sin. Et qui continuait à l'exploiter en esprit. And who continue to exploit her in the spirit. C'est comme ça que le diable dit, si vous montrez, vous priez, ça va finir. Mais cachez-vous. That's how the devil works. He tells them, hide yourselves. If you show up, they will chase you out. Donc tu peux te réveiller un jour, on a coupé ton habit. So you can get up one day and part of your cloth has been cut. Qui a coupé. And you ask yourself, who has cut it? Ou bien c'est perdu même. Or it gets lost. Il y en a qui sont réveillés avec les cheveux coupés. There are people who got up with their hair cut. C'était pour aller envoûter. It was to go and bewitch. Donc, d'une manière ou d'une autre, so in one way or another, nous savons que le diable existe. We know that the devil exists. Qu'il se débrouille. And that he struggles. Nous savons qu'il a des enfants aussi. And we also know that he has children qui ont des réunions, who have meetings. Ces réunions-là, ça qu'on appelle la sorcellerie. Those meetings is what we call witchcraft. Et dans le monde, and in the world, il y a deux corps. There are two bodies. Le corps de Jésus-Christ de Nazareth. The body of Jesus Christ of Nazareth. Et le corps du diable. And the body of the devil. Qu'on appelle la sorcellerie. Which is called witchcraft. Ils ont aussi des hommes. They are also men. Ils ont des enseignants. They have teachings as well. Ils ont des pasteurs. And they have pastors. Ils gagnent les âmes. Tu as des problèmes, il faut venir. Allons voir. Quelqu'un va t'aider. Viens. They win souls. They tell you, well, if you have a problem, come. Someone will help you. Come with us.
Mais la parole de Dieu déclare. But the word of God declares que le Fils de Dieu a paru. That the Son of God appeared afin de détruire les œuvres du diable. In order to destroy the works of the devil. Si Jésus arrive, if Jesus comes, tout est ruiné. Everything is cancelled. Dans le camp de Satan. In the camp of Satan. Hallelujah. Hallelujah. Et Jésus dit, and Jesus says, venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués, you are tired, et chargés, and heavy laden, je vous donnerai du repos. And I will give you rest. Effectivement, quand tu donnes ta vie à Jésus, effectively when you give your life to Jesus, lui il a le pouvoir, he has the power, de te désenvoûter, to disbewitch you. Tu ne sais même pas à quel niveau ça se trouve, là où on a planté ça. Mais Jésus a vu, il sait. You don't even know where it was put. You don't know where it was planted, but Jesus knows. Il t'a laissé. He left you parce que tu étais sous le jugement de Dieu. Because we are under God's judgment. Parce que quand quelqu'un vit dans le péché, because when someone lives in sin, il est sous le jugement de Dieu. He is under God's judgment. C'est à ce moment-là que le diable domine sur lui. It is at that time that the devil dominates over him. Il est sorti de la bergerie. He has gotten out of the sheepfold. Les lions, lions peuvent le dévorer. Can devour him. Mais quand Jésus revient dans la vie d'un homme, but when Jesus comes back into the life of a man, tu deviens comme l'image qu'il a donnée, comme sa vigne. You become like his vine. Il a dit qu'il va protéger lui-même sa vigne. He says that he himself will protect his vine. Il a dit que s'il trouve les épines et les ronces, il va marcher contre elles. And he says that if he finds thorns, he would walk against them. Jésus est vivant. Jesus is alive. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais pour aller au combat, on ne va pas en rang dispersé. For to get into warfare, we don't go in dispersed ranks. La première chose, the first thing, il faut se réconcilier avec Dieu. You should reconcile yourself to God. Tu te repens. You repent. Tu enlèves les mauvaises habitudes. You take away all the bad habits. Tu abandonnes les mauvaises tendances. You abandon bad tendencies. Tu te consacres à Dieu. And you consecrate yourself to God. Tu lui dis que tu vas vivre pour lui. Tu renouvelles l'alliance avec lui. You tell him that you live for him. You renew the covenant with him. Parce qu'il y a une alliance entre Jésus et chaque croyant. Because there is a covenant between Jesus and every believer. Lisez pour nous 2 Corinthiens chapitre 5. Read for us 2 Corinthians chapter 5. Lisez le verset 14 au verset 15. Read verse 14 to 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Jésus est mort. Jesus died pour nous. For us. Nous aussi. We as well, nous devons vivre pour lui. Must live for him. C'est tout. That is all. Si bien que quand tu vis pour toi-même, in such a way that if you live for yourself, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. You are no longer in the will of God. Jésus est mort pour tous. Jesus died for all. Donc toi, tu devais mourir, je devais mourir. Donc Dieu nous considère comme morts déjà. Donc nous ne pouvons plus aller à la croix. Jésus a porté la croix pour chacun de nous. So you had to die. Heureusement, parce que je ne vois personne ici qui allait accepter ça. So you had to die and I had to die. But Jesus carried and God already considers you as dead and considers me as dead. Because if that was to be demanded of us, I don't see anyone here who would have accepted. Jésus est mort pour moi. Jesus died for me. Je dois vivre pour lui. I must live for him. Tu restaures cette alliance-là. You restore that covenant. C'est par là que le combat commence. That is where warfare starts. Tu restaures ta relation avec celui qui est mort et ressuscité pour toi. You restore your relationship with the one who died and resurrected for you. Même si tu es païen, que tu vis encore dans le péché, c'est la première étape. Even if you are a pagan and you still live in sin, that is the first step. Tu dois décider ce soir, you must decide this evening, que tu vas vivre pour Jésus, that you will live for Jesus, parce qu'il est mort pour toi, because he died for you. Si tu refuses, if you refuse, c'est ça qu'on appelle être païen, les païens. That is what is called being a pagan. You are même a pagan. Si tu vas à l'église, even if you go to church,
Dès que tu décides, as soon as you decide, que tu vas vivre pour toi-même et non pour Jésus, tu n'es pas chrétien. That you live for yourself and not for Jesus, you are not a Christian. C'est le fruit de l'amour de Dieu en nous. It is the fruit of God's love in us. L'amour de Dieu nous presse. The love of God compels us. Cet amour-là nous contraint. It constrains us. Cet amour que Dieu a déposé en nous nous oblige. That love that God has put in us obliges us. À vivre pour son Fils. To live for his son. Si tu ne ressens pas cet amour te presser, tu n'es pas chrétien. If you don't feel that love compelling you, you are not a Christian. Tous les vrais enfants de Dieu vont rendre témoignage qu'il y a quelque chose en eux qui leur dit restez avec Jésus, servez-le, restez avec. Il n'y a pas un policier derrière les frères. All true children of God will bear witness that there is something telling them that they should live for Jesus, that they should live for Personne him. Ne There's no surveille. Police officer behind them. Nobody. Personne ne les surveille. Nobody's watching over Même them. Quand ils sont dans une pleine forêt, even when they are in a deep forest, quelque chose leur dit, something tells them, vivez pour Jésus. Live for Jesus. Vivez pour Jésus. Live for Jesus. Si tu n'entends pas cette voix, if you don't hear that voice, il faut faire attention. You should watch out. Même si les gens pensent que tu es vrai enfant de Dieu, vrai serviteur de Dieu, si tu n'as pas ce témoignage en toi, il faut faire attention. Even if people think that you are a true child of God, a true servant of God, if you don't have that voice in you, watch out. Si ton corps ne porte pas ce témoignage, if your body does not bear that testimony, ton corps est attiré vers l'immoralité seulement. Il n'y a pas quelque chose qui te dit vie pour Jésus. Toute ta tête c'est d'aller commettre l'immoralité. Tu n'es pas un enfant de Dieu. If your body only tells you to go towards immorality, there's nothing in you that tells you live for Jesus. Watch out, you are not a child of God. Quand les apôtres prêchaient l'évangile, when the apostles preached the gospel, ce n'était pas les plaisanteries qu'on entend aujourd'hui. It's not the jokes that we hear today. Paul dit par exemple que, for example, Paul says, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, if someone doesn't have the spirit of Christ, il n'appartient pas à Christ. He doesn't belong to Christ. Et il disait que l'esprit de Christ rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. And he said, the spirit of Christ bears witness to our spirit that we are children of God. Tu es libre. You are free. Tu peux écouter ce témoignage. You can hear that testimony. Comme tu peux te tromper toi-même, tu peux te séduire toi-même. As you can also deceive yourself. Dans cette salle, in this hall, il y a des gens qui n'ont pas ce témoignage. There are people who don't have that testimony. Ils savent devant Dieu. They know before God. Leur cœur même les condamne. That their hearts condemn them. Quand ils sont assis, ils savent tout de suite, pendant que je parle, le Saint-Esprit leur dit, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. As they are seated and while I'm talking, the Holy Spirit tells them, you are not children of God. L'amour de Dieu nous presse. The love of God compels L'amour us. L'amour de Christ nous presse. The love of Christ compels Parce us. Parce que nous estimons que, even when we think that, si un est mort pour tous, because we know that if one tous died, sont morts, all also died. Afin que ceux qui vivent, so that those who live, ne vivent plus pour eux-mêmes, no longer live for themselves, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. But for the one who died and was raised Est-ce for que them. Tu connais ce langage? Do you know that language? Est-ce que tu crois cette parole? Do you believe that word? Tu critiques les chrétiens sérieux. Est-ce que tu savais que la Bible dit que les vrais enfants de Dieu vivent pour Jésus? You criticize serious Christians. Do you know that the Bible says that true Christians live for Jesus? Est-ce que tu savais que la Bible dit que l'amour de Dieu nous presse? On ne peut pas échapper parce que l'amour de Dieu nous enchaîne. Do you know that the word of God says that the love of God compels us? We cannot do as we want because we are chained. Est-ce que l'amour de Dieu t'enchaîne? Has the love of God chained you? Est-ce qu'il y a un seul péché que tu as dit je ne commets pas parce que Jésus règne en moi? Is there a single sin that you have said I'm no longer committing it because Jesus reigns in me? Quand tu te masturbes, est-ce que c'est ça le règne de Jésus? When you masturbate yourself, is that the reign of Jesus Christ? Quand tu te masturbes, est-ce que pour toi tu es en train de vivre, c'est comme ça que toi tu vis ta chrétienté? When you are masturbating yourself, is that the way you live your Christianity out? Quand tu vis avec une femme que tu n'as pas doté, c'est comme ça l'amour de Dieu, c'est comme ça que l'amour de Dieu te presse? When you live with a lady whose buy price you have not paid, is that the way the love of God compels you? Quand tu es rempli de jalousie, de haine, c'est de cette manière-là que l'amour de Dieu te presse.
When you live in jealousy and you live in hatred, is that the way the love of God compels you? Non, tu te trompes. No, you have been deceived. On fait la paix avec Dieu. You make peace with God. On décide. We decide. Qu'on va vivre pour Jésus. And you live for Jesus. Et on commence à refuser le péché. And you start denying sin. Même les choses que toi-même tu désirais, tu ne les désires plus. Even the things that you used to desire, you no longer desire them. L'apôtre Paul dit, the Apostle Paul says, nous étions comme les païens. We were like pagans. Nous accomplissions les volontés de notre chair et de nos pensées. We used to accomplish the desires of our flesh and of our thoughts. Quand quelque chose te disait, bois la bière, allez, tu commences à chercher maquis. When something told you to drink beer, you just look for a bar. C'est ta chair qui commande. It's your flesh that commands you. Nous accomplissions les volontés de notre chair et de nos pensées. We used to accomplish the will of our flesh and our mind. Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 2. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Mais quand on est sauvé, but when we are saved, on est délivré. We are delivered. On est une nouvelle créature. A new creation. L'amour de Dieu nous presse. The love of God compels us. Quand la chair parle, tu dis non. When the flesh speaks, you say no. Tu dis non. You say no. Quand tu sens quelque chose, la chair te dit, mets un peu de coutoucou dedans. Tu dis non. Your flesh tells you, put a little coutoucou here. You say no. Tu dis, c'est ça, être enfant de Dieu. That is what it means to be a child of God. L'apôtre Paul disait, soyez les imitateurs de Dieu. The Apostle Paul says, be imitators of God. Il demandait de marcher dans la lumière. He says, walk in the light. Ne persécute plus les frères. Do not persecute brethren si anymore. Si tu rencontres un enfant de Dieu, respecte-le. If you meet a child of God, respect him. Parce qu'il y a les saintes chaînes dans ses membres. Because there are holy chains in his members. Il est prisonnier de Dieu. He's a prisoner of God. Et les prisonniers de Dieu sont des princes. And God's prisoners are princes. Jésus disait, Jesus said, prenez mon joug sur vous. Take my yoke upon you. Donc ils appartiennent à Jésus. So they belong to Jesus. Jésus a enlevé les chaînes de Satan. Jesus has taken off the chains of Satan. Il a mis son joug léger. And he has son joug doux. And he has put his yoke that is light. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Deuxième chose. The second thing, si tu es un frère, if you are a brother, qui a déjà reçu Jésus, who has already received Jesus, tu mets la paix entre toi et chaque frère. You make peace between you and each brother. Qu'il n'y ait aucun frère sur la terre. There should be no brother on the earth. Avec qui tu ne t'entends pas. With whom you don't agree. Et lis pour nous Lévitique 26. Read for us Leviticus chapter 26. Lisez le verset 7 à 9. Read verse 7 to 9. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Amen. Dieu veut que nous soyons unis. God wants us to be united. Pourquoi? Why? Parce que quand nous sommes unis, because when we are united, même un bébé, even a baby, frappe l'ennemi, can strike the enemy. C'est-à-dire que ceux qui vont donner la vie à Jésus ce soir, it means those who give their lives to Jesus this evening, ils seront puissants. They will be powerful. Parce que nous sommes unis. Because we are united. Hallelujah. Hallelujah. Même celui qui pense qu'il est faible. Let the one who thinks that fort. Let the one who thinks that il is weak. Vous poursuivrez strong. Vos ennemis. He says you pursue your enemies. Et ils tomberont devant vous par l'épée. And they will fall before you with the sword. Cinq d'entre vous en poursuivront 100. Five of you will chase 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. And 100 of you will chase 10,000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. And your enemies will fall before you by the sword. Je me tournerai vers vous. I will look on you. Je vous rendrai fécond. And I will make you fruitful. Et je vous multiplierai. And I will increase your numbers. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. And I will keep my covenant with you.
Il faut être uni aux frères. You must be united with the brethren. Pourquoi? Why? Il y a la repentance. There is repentance. Quand tu dois entrer dans le salut. When you must get into salvation. La repentance fondamentale. Fundamental repentance. Il y a des repentances intermédiaires pour garder tes habits propres. There are intermediate repentances to keep your robe white. Jésus a dit que quand quelqu'un est déjà lavé, il rince les pieds. Chaque jour, tu regardes là où il y a un peu de poussière, tu enlèves. Chaque jour, que personne ne te trompe. Jesus said when someone has already washed himself, he just needs to wash his feet. So every day you look at yourself and you clean up yourself every day. Let no one deceive you. Mais si tu te retires de la marche dans la foi, but if you withdraw from the work in faith, si tu te mets à dormir, if you start to sleep, tu fais ce qu'on appelle le retour à Dieu. You do what we call the return to God. Qui suppose que tu te repens, which means that you repent, et tu répares ce que tu as gâté. And you repair all that you have spoiled. Par exemple, si tu ne lisais plus la Bible, tu prends la Bible, tu ouvres. Tu ne dis pas Seigneur, je veux lire. Tu prends, tu ouvres, tu commences à lire. It means that if you did not read the Bible anymore, you take the Bible and you start reading. You don't say, oh Lord, I'll read the Bible. You actually pick up your Bible and start reading. Si tu ne jeûnais plus, tu prends même si c'est un jour. Tu dis aujourd'hui là, je fais même un jour. Even if you no longer fasted, you decide and you say, today I'm going to fast. And you fast even for one day. Si tu ne chantais plus, tu prends un cantique. Même si tu ne sais pas chanter, tu lis les vers qui sont dedans. If you no longer sang, if you no longer sang, you should take your hymn book. And even if you don't know how to sing, you should take a hymn and read out the words. Ou bien tu composes un cantique nouveau. Or you compose a new hymn. Tu fermes les yeux, tu dis Dieu, tu es grand. Oh, oh, oh Dieu, tu es grand. Oh, oh, oh Dieu, tu es grand. Oh, oh, oh tu m'as sauvé. Tu commences à danser. You close your eyes and ça va monter. You close your eyes and you say, God, you are great. Oh, 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 God, you are great. And then you start singing and it will work out. Dieu dit, repens-toi et reprends tes premières œuvres. God says, repent and do the works you did before. Quand tu as réglé les choses de cette manière-là, when you have settled things in that manner, tu attaques l'ennemi. Tu attaques. You attack the enemy. Tu verras. And you will see. Mais si tu laisses tout dans le désordre, tu entres dans la bataille. But if you leave everything in disorder and you get into the warfare, tu seras faible dans le combat. You will be very weak in battle. Si l'ennemi se présente, if the enemy presents himself, si tu dis au nom de Jésus, and you say in the name of Jesus, il va rire. You look. S'il était debout, il va s'asseoir. If he was standing, he will sit. Si tu continues au nom de Jésus, il se met à te poursuivre. If you continue in the name of Jesus, he will start pursuing you. Tu commences à t'enfuir. And then you start running away. Et tu te réveilles. And then you get up. Le combat est réel, c'est pas le jeu. Warfare is real. It's not a joke. Les témoignages, les combats que les frères mènent dans les visions là, c'est réel. C'est comme ça que ça se passe. Those battles that our brethren carry out in visions, it is true, and that's how it happens. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'envoûtement existe. Bewitchment exists. Une servante de maison peut t'envoûter. A house help can bewitch you. Dans sa tête, in her mind, elle veut être aimée. She wants to be loved. Elle ne sait pas qu'elle te fait du mal. Elle va chez un sorcier et dit, ma patronne a l'argent, elle ne me donne pas. Elle crie sur moi. Je veux qu'elle m'aime, qu'elle me donne l'argent. She doesn't know what she's doing. Maybe she just wants money. She goes to the witch doctor and she says, well, my boss has a lot of money and I want her to give me money. On lui dit, va prendre même 1000 francs chez elle, tu viens. Ou bien prends même ses sous-vêtements, tu viens avec. And they tell her, just go and get even if 1,000 francs from her or even her underwears and bring. On te demande une offrande à un démon. And they ask the demon for offerings. On dit à ce démon, and they tell this demon, voici les sous-vêtements, il t'a gardé aussi un peu de cola, il t'adore. Hein. Va, tu prends le cœur de sa patronne là, tu prends.
il faut et comme ça il lui donne beaucoup d'argent. And they tell that demon, well, she has brought your offering. This is, she has also brought her underwears. So go to her boss and make her to love her. Et tu commences, dès qu'elle arrive, tu souris seulement, tu prends 50 000, tu lui donnes. And as soon as she comes, you just smile and you take 50,000 and give her. Maintenant, elle se réveille à 10 heures. Tu dis, repose-toi, je vais, comme moi-même je suis là aujourd'hui, je vais t'aider. And then she gets up at 10 a.m. and you say, well, just rest. Since I'm at home today, I'll help you. Elle voit que ça marche. And then she sees that it's working. Et si on ouvre tes yeux, tu peux réaliser que tu es entre les mains d'un gros démon vilain. And if your eyes are open, you see that you are in the hands of a great and wicked demon. Qui presse ton cœur. Who presses your heart? Si elle s'appelle Aminata, tu entends seulement Aminata, 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 Aminata. If she's called Aminata, you only hear Aminata, Aminata, Aminata. Elle cherche qu'est-ce qu'elle peut me donner à cet enfant et. And you'll be looking at what can I even give to this child? On appelle ça l'envoûtement. This is called bewitchment. Une femme peut envoûter un homme pour qu'il lui donne l'argent. A woman can cast a spell on a man for him to give her money. Une femme m'a dit un jour, a lady told me one day que son mari l'avait chassée, that her husband chased her away. Elle est rentrée en famille, and she went back to her family. Humiliée. Humiliated. Et ses tantes lui ont dit, and her aunts told her, ne t'en fais pas. Don't worry. Il va ramper pour venir te chercher. He will crawl to come and get you. Je reçois du Saint-Esprit l'autorisation de vous dire ce qu'elle a fait. Vous êtes fort, vous n'allez pas être choqué. I receive from the Holy Spirit the authority to tell you what she did. You are strong, you're not shocked. Ses tantes ont pris un morceau de viande. She says that her aunts took a piece of meat. On lui dit, mets dans tes parties intimes. And they told her, put it in your private part. Elle a pris, elle a mis. And she took it and put it there. Après, on lui a donné on a mélangé avec des produits. And then they mixed it up with some products. Des feuilles. With leaves. On lui a donné. And they gave it to her. On dit, va, tu jettes à un chien, il mange. And they told her, go and throw it to a dog to eat. Il va venir en rampant. He will come back crawling. Et la dame m'a dit, and the lady told me, j'ai fait ça. I did it. Mon mari est venu en rampant. My husband came back crawling. C'est ce qu'il faisait en rampant que je ne peux pas vous dire. It's what he did while crawling that I cannot tell you. Je ne peux même pas dire ça à quelqu'un. I cannot even tell somebody. Jusqu'au retour de Christ. Until Christ comes back. Mais le peu qui peut délivrer, c'est ça que j'ai dit là. La partie qui peut délivrer, c'est celle-là qui est bien pour nous. C'est ça que j'ai dit. But the part that can deliver, that's what is good for us and is what I've told you. Tu vois, les viandes que tu as mangées là. Donc il faut bien prier. Tu ne sais pas où tu te trouves. You see that meat that you've eaten. You should pray because you don't know where it's coming from. Les hommes font les mêmes choses. Men do the same thing. Qu'est-ce que je veux dire? What am I saying? Le phénomène de l'envoûtement, c'est un phénomène. Quand je dis phénomène, là, ce ne sont pas des actes isolés dans les familles. Ce sont des phénomènes de la sorcellerie. That phenomenon, the phenomenon of bewitchment, is a phenomenon, and it's not just isolated acts. It is actually a phenomenon in witchcraft. Un patron peut envoûter tous les agents. A boss can bewitch all the agents. Pour commander. All his subordinates to command them. Pour commander. To be able to lord over them. Un gardien d'une banque a vu son patron nu. Il grimpe l'escalier de la banque, il monte. Il proclame qu'il est le PDG de cette banque. PDG, il monte, il descend le gardien. Donc les gardiens sont là, ils voient beaucoup de choses, ils regardent. A security guard saw nu. So a bank manager climbing the stairs and going down. Quand c'est comme ça, tous les autres sont. Dès que tu fais ce que Satan veut là, il commence à mater les autres pour toi. As soon as you do what Satan wants,
He starts suppressing the others on your behalf. Jésus te délivre. Jesus delivers you. Même si c'est sous l'eau. Even if it's under the waters. Même si c'est sur une montagne. Even if it's on the mountain. Même si c'est dans les lacs. Even if it's in the lake. Dans les rivières. In rivers. In dans les torrents d'eau. In torrents of water. Même si c'est dans les déserts. Even if it's in the desert. Même si c'est dans les abîmes. Even if it's in the abyss. Même si c'est dans le séjour des morts. Even if it's in Hades. Même si c'est dans le ventre d'un monstre. Even if it's in the belly of a monster. Nous sera vu hier dans une vision un monstre était son ventre était fendu. A sister saw yesterday as the stomach of a monster was cut. Le ventre d'un monstre était fendu. Le témoignage c'était hier. Et that was yesterday. Les richesses dedans, c'est sorti. And there were riches inside that were coming out. Le pasteur Aka a combattu contre le gros serpent qui avait tout avalé. Pastor Aka fought against a great serpent that had swallowed everything. Il est devenu gros, long comme un train. That became big and long as a train. Quand les richesses sortent, il se rétrécit. Quand tout est sorti, il devenait un petit serpent. When riches came out, he was becoming thin. And when all of them had come out, he became so thin. Et quand tu combats, and when you fight, combat par la foi. You should wage war by faith. Ne t'attends pas un phénomène. Ce sont des choses spirituelles. Do not wait for a phenomenon. These are spiritual things. Le Seigneur attendait seulement qu'on crie à lui. The Lord was only expecting that we should cry out to him. Il est vrai qu'il y a parmi nous des gens qui ont le don de vision. Gloire à Dieu. Et ils ont un avantage. It is true sur, that sur le champ. Mais si tu as la foi, tu peux tripler tes capacités. It is true that amongst us there are people who have the gifts of vision, so they can see this advantage. But you, if you have faith, you can do more. Dieu ne peut pas donner à tout le monde le même don. Laissez ceux qui ont la vision nous dire ce qu'ils ont vu. Mais nous combattons par la foi. God cannot give the same gift to everybody. So leave those who have the gift of vision to see what they can see. But for us, let us fight by faith. Les sujets sont enregistrés au ciel et exaucés. The topics are registered in heaven and answered. Les dates sont définies. The dates are defined. Dans la volonté de Dieu. In God's will. Si quelqu'un doit recevoir un mari, si une femme doit recevoir un mari, ce n'est pas sur l'estrade ici maintenant. Il faut quand même aller à la maison pour que le gars vienne là-bas. If a lady has to receive a husband, it will not be here on the stage. She must go home for the brother to come there. Mais il y a des choses qui seront exaucées pendant que tu es en train de prier. But there are things that will be answered on the spot as you are praying. Il y a des choses que Dieu a décidé d'accomplir quand on a proclamé que nous allons jeûner. Quand il a entendu ça, il a libéré les bénédictions. The things that God accomplished when we just proclaimed that we are going to fast, when he heard it, he already answered. Et quand on a commencé, il y a des bénédictions qui ont été libérées. And when we started, there were blessings that were released. Quand le combat devient difficile, si nous persévérons, il ajoute les bénédictions. When the warfare becomes difficult and when we persevere, he adds the blessings. Il aime quand c'est chaud, pour lui il est le vainqueur des vainqueurs. Alléluia. He likes when it's hot because he's the conqueror of conquerors. Un jour après que les gens aient menacé Paul, il est venu en vision, il lui dit ne crains point, parle. Alléluia. Quand ses enfants combattent, il est content. One day when people had threatened Paul and he was afraid, he came in a vision and told him, do not be afraid, speak out. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Nobody will touch you to do any evil to you. Speak, I have a numerous people in this city. Il est avec nous. He is with you. Il aime les combats. He loves warfare. L'apôtre Paul disait, fais toutes sortes de prières. The apostles said, do all kinds of prayer. Pray in all kinds of prayers. Il dit de prier avec ferveur. He says, pray with favor. Les gens qui prient, Seigneur, libère ma famille. People who pray, oh Lord, set my family free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Amen. Christ. Libère, oui, libère-les. Oh yes, set them free. Que Satan sorte de la famille. Let Satan go out of my family. Ce n'est pas ce que la Bible dit, prier avec ferveur. That's not what the Bible says. The Bible says, pray fervently. Quand Jésus priait, la sueur ruisselait sur son front, comme des grumeaux de sang. Quand notre maître priait,
When Jesus was praying, he said that his sweat came down like drops of blood. That's our master who was praying. Il y a un niveau de prière qui libère l'esprit de l'homme. There is a level of prayer that releases the spirit of man. Il te place dans le champ de bataille. And it puts you on the battlefield. Il y a des prières qui font que ton esprit n'est pas libéré. Donc, ça ne peut même pas porter. C'est quand ton esprit est libéré. There are certain prayers that cannot even release your spirit. Quand tu dis au nom de Jésus. But when your spirit is released and you say in the name of Jesus. Bam! Dans le séjour des morts. In this world of the dead. Parce que l'esprit est libre. Because the spirit has been released. Quand l'esprit n'est pas enfermé dans la chair. When the spirit is not shut up in the flesh. And it is free and strong. Quand tu le gardes dans une chair froide, au nom de Jésus, au nom de Jésus. When you keep it in a cold flesh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que j'ai l'autorité sur le diable. That I have authority over the devil. Dis, je peux briser l'envoûtement. I can break bewitchment. Je peux l'anéantir. I can cancel it. J'ai le pouvoir de l'anéantir. I have the power to cancel it. Dis, car le Fils de Dieu a paru. For the Son of God appeared. Afin de détruire les œuvres du diable. To destroy the works of the devil. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Lève ta main droite, dis, je mets fin à toute forme d'envoûtement dans ma vie. Raise your right hand and say, I put an end to every form of bewitchment in my life. Dis, quel que soit ce qui a été utilisé pour m'envoûter. Say, whatever was used to bewitch me. Je l'anéantis. I cancel it. Tiens-toi debout. Stand up. On peut utiliser ton écriture. On peut utiliser ton nom. On peut utiliser tes relations. They can use your handwriting. They can use your name. On peut utiliser un lien. They can use a bond. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes amis. Your father, your mother, your liens, brothers, your friend. Des liens de relation. Those are bonds des of relationship. Liens de filiation. Those are bonds, that is filial bonds. Les gens qui sont dans les conflits terriens là, il y a des liens de conflit. People on peut who are in conflict, parce que vous discutez un terrain. People who are in conflict can be bewitched through conflicts. They can bewitch you because you are fighting over a piece of land. Donc, quand on va libérer la prière, prie, casse tout. Dis tout ce qui a été utilisé, tu cites. Mes cheveux, mes ongles, tout ce qu'on aurait utilisé, tout, tu écrases, tu te sépares de tout objet qui est entre leurs mains, qui sert de lien. So when we start praying, you should name the things and separate yourself from everything that was used, whatever it was. Tu name the items. Exerce l'autorité. Exercise authority. Là où tu es là. Where you are. N'oublie jamais. Never forget. Que tu es le petit frère de Jésus-Christ. That you are Jesus' younger brother. Hallelujah. Si tu oublies, tes prières seront faibles. If you forget, your prayers will be weak. N'importe qui pourra te dire de te taire. Anybody will be able to tell you to keep quiet. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu brises tout, tu anéantis, tu dis j'anéantis toute forme d'envoûtement. You break and you say I cancel every. Tu n'oublies pas. Tu vas dire beaucoup de choses, mais n'oublie pas anéantir. C'est anéantir, amener à néant à zéro. You are going to break many things, but don't forget to say I bring to naught. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Prions ensemble. Let's pray together.
d'anéantir toute forme d'avoutement contre moi, contre le peuple de Dieu, contre chaque frère ici. Tout ce qui a été utilisé pour rendre possible cet avoutement, nous taillons, nous bannissons, d'anéantissons. Kalabasho, karabakada, kabakala, bakala, kabaka. Je brise, je saccage. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je bannis. I banish l'impact. The impact de la malédiction humaine. Of human curses. Sur ma vie. Upon my life. Je bannis l'impact. I banish the impact de toute malédiction humaine sur ma vie. Of all human curses upon my life. Quel que soit celui qui les a proclamés. Whoever be the one who proclaimed it. Quelles que soient les raisons. Whatever be the reason. Je proclame. I proclaim. Que l'homme n'est pas Dieu. That man is not God. Je lève ma main au nom de Jésus. And I raise my hand in the name of Jesus. Et j'anéantis ces paroles. And I bring it to naught. Au nom de Jésus, continue à prier. Continue to pray in the name of Jesus. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déchire tout voile. I tear every veil. Jeté sur moi. Which was drawn upon me. Je déchire tout voile. I tear every veil. Jeté sur moi. Which was cast upon me. Continue à prier. Continue to pray. Je déchire le voile. Je déchire le voile. Je déchire le voile. Je déchire le voile. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dieu, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je lève ma main. I raise my hand. Contre toute puissance des ténèbres. Against every power of darkness. Envoyé contre mon progrès spirituel. Set against my spiritual progress. Toute puissance, toute puissance. Every power, every power. Toute puissance, toute every puissance. Every power, every power. Au-dessus de moi. Or above me. Ou bien dans les abîmes. Or in the abyss.
ou bien dans les eaux, or in the waters, ou dans les forêts, or in the forest, ou dans le séjour des morts, or in Hades, toute puissance, every power, qui s'est levé contre mon progrès spirituel, which has raised up against my spiritual progress, je l'écrase, I crush it, et je libère ma vie spirituelle, and I release my spiritual life, je libère mon progrès spirituel, I release my spiritual progress, je libère la connaissance de Dieu, I release my knowledge of God, je libère la connaissance de la parole de Dieu, I release my knowledge of the word of God, je libère la connaissance des desseins de Dieu, I release my knowledge of the purposes of God, je libère la connaissance de l'œuvre de Dieu, I release my knowledge of the work of God, je libère la connaissance des voies de Dieu, I release the knowledge of the ways of God, je libère la compréhension authentique de la parole de Dieu, I release my genuine understanding of the word of God. Continue à continue to pray, continue to pray. Je me lève contre tout puissant de ténèbres, contre la connaissance de Dieu, 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 contre la connaissance de l'œuvre de Dieu. Je renverse les auteurs dessous de moi. Je les renverse. Je renvoie dans les abîmes. Disperse ce qui vient du séjour des morts. Je proclame la victoire. 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 Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis Père. Say Father. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fill me with the Holy Spirit. Dis Père. Say Father. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fill me with the Holy Spirit. Dis la chair ne sert à rien. Say the flesh counts for nothing. C'est ton esprit qui vivifie. It's your spirit that gives life. Dis Père. Say Father. Remplis-moi maintenant. Fill me right now. Et commence à prier en langue. Prie en langue. And begin to pray in tongues. Pray in tongues. Uria bakala masada, kala masada rakaba kasawa, ura bakala, kala badaka bakala daka bakala daka. Pray en langue, pray en langue, pray en langue. Pray tongues, pray tongues, pray tongues. Pray en langue. Pray tongues. Uria karaba sede, 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 karaba laka sede. Karabalene, karabasoma, karabasene, karabasene, karabaletere, karabaso, karabasamara, Goria bakasene, kere kuna kamazanai, Goria bakasene, kere baltaramasomu ku, hey, that is a kamazanai, the glory of Allah. Ura bakalaka bakajer bakako bujerbaka. Pray en langue, pray en langue, pray en langue. Pray tongues, pray tongues, pray tongues, pray tongues. Karabake se karamasaba karakasaba, Goria bakasiba karabakala karabakasiba. Kuria bakala kasebe kere dantara masama arabala bakala bakashira arabakashira bakala bakashira kuria bakala kashara bakala bakashi kuria bakaseri abakashaba kuria bakaseri abakala bakasabara. Left arm right, raise your right hand. Au nom de Jésus, say in the name of Jesus, je récupère maintenant même, I take over right now, tout ce qui m'a été volé, all that was stolen from me, pendant le temps du sommeil. J'arrache ce qui m'a été volé. I snatch that was stolen from me. J'arrache ce qui m'a été volé. I snatch what was taken away from me. Continue à intercéder. Dis, oh Père, say, oh Father, tu as dit, that you said, dans le livre du prophète Isaïe, in the book of prophet Isaiah, au chapitre 43, chapter 43, le verset 14, verse 14,
Ainsi parle l'Éternel. Thus says the Lord. Votre rédempteur. Your redeemer. Le Saint d'Israël. The Holy One of Israel. À cause de vous. For your sake. J'envoie l'ennemi contre Babylone. I will send the enemy against Babylon. Et je fais descendre tous les fuyards. And bring down all the fugitives. Même les Chaldéens. Sur les navires dont ils tiraient gloire. Even the Babylonians on the ships. Oui, Seigneur. Yes, Lord. Tu l'as dit. You said. Qu'à cause de moi. That because of me. Tu envoies l'ennemi contre mes ennemis. You send enemies against my enemies. Dis secoue le séjour des morts. For them to shake Hades. Secoue les abîmes. May they shake the abyss. Secoue les montagnes, les rochers, les forêts. They shake the mountains and the rocks. Et branle les collines. Let us shake and demolish. Brûle les forêts. Burn down forests. Fais tarir les eaux. Let us make the waters shake. Trouble le séjour des morts. Let us trouble Hades. Abaisse les abîmes. Bring down the abyss. Fais souffler la tempête dans les déserts. Let us make the tempest to come in the desert. Crée la guerre partout contre l'ennemi. And create war everywhere against the enemy. Et libère-moi de toute oppression. And liberate. Toutes sortes d'oppression. Release me from every oppression. Donne des ordres. Give orders. À ton armée, Seigneur. To your armies, O Lord. Continue à intercéder. Continue to intercede. Que l'enfer soit secoué, Seigneur. Que le séjour des morts soit ébranlé. Que les montagnes soient ébranlées. Les collines, les forêts, que les campagnes, que les forêts soient incendiées, que les hommes tombent, que les géants soient pliés, que les nains soient enchaînés, que les troupes soient dispersées. Ori kamaraka shere bakabalaka, ori abakalaka bakalaka bakalaka basheka, ori abakalaka bakashori abakalaka sambaka, ori abakasende kamaraka, ori kere baltara masende kere baltara masende ka. Assieds-toi, tu gardes le silence. Please sit down and be quiet. Reste calme devant Dieu. Be quiet before the Lord. Tu restaures ton alliance avec lui. You restore your covenant with him. Commence à lui dire merci. Start to tell him thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. L'honneur et la louange. Honor and glory belong to you. L'honneur et la louange. Honor and glory belong to you.
Alléluia. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Jésus-Christ.